Le plasticrète est une résine acrylique. Il s'agit d'une charge minérale en poudre du type plâtre que l'on additionne à un liquide contenant un plastifiant, ce qui permet d'améliorer notamment la résistance au choc. Elle peut être utilisée en tant que produit de tirage ou de moulage, en stratification, en coulée ou en contre-moule. Ne nécessitant pas de protection particulière, facile d'utilisation et quasiment inodore, c'est la résine pour tous. Ajoutez la partie poudre à la partie liquide jusqu'à obtenir une consistance de pâte à crêpes, ce qui représente environ une part de liquide pour deux parts de poudre en poids. Pour pouvoir faire adhérer plus facilement le plasticrète sur une paroi verticale, notamment sur un moule en silicone, il faudra le rendre plus pâteux, c'est-à-dire ajouter plus de poudre. Coulez-le ou appliquez-le au pinceau. Utilisez en stratification, faites deux premières couches de résine pure en laissant durcir la résine minimum 30 minutes entre chaque, puis passez une nouvelle couche munie du tissu de verre, comme de la verrane par exemple. Sur paroi verticale, la verrane adhérera mieux en la trempant dans le plasticrète puis en l'essorant avant de l'appliquer. On pourra aussi plier les morceaux de verrane pour une meilleure tenue. Il faudra aussi veiller à ce que les morceaux se chevauchent et à bien lisser pour éviter d'enfermer des bulles d'air entre les couches d'impression et la couche de renfort. Prévoyez minimum 2 heures de séchage avant de démouler. Vous pouvez tirer dans un moule en plasticrète presque tous les types de matériaux sans risque d'incompatibilité. Vous pouvez également insérer du colorant dans le plasticrète. Comme agent de démoulage, vous pouvez utiliser de la vaseline. Plasticrète se travaille main nue. Le lavage de vos mains et des outils s'effectue à l'eau avant la prise du plasticrète. Tout comme pour le plâtre, on évitera de boucher l'évier en effectuant le lavage dans une bassine pour jeter ensuite les dépôts à la poubelle.